Salut saillants, ouais, voici Captain Fleur de la SIP que nous sommes nom de champion, même si on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Transport Fever, pour un essai de jeu bien sûr. Ce jeu c'est pas une découverte pour moi parce que j'y joue puis j'aime bien ça. J'avais déjà joué à OpenTTD. Je sais pas si vous connaissez ça, mais OpenTTD c'est une gestion de réseau de transport, que ce soit routier, ferroviaire, aérien ou maritime. Et le but c'est de pouvoir faire dans le fond, de construire un réseau de transport tout en gérant tout ça et pour faire faillite. Mais c'est pas évident. Tu as deux types de transport. Tu as le type de transport passager et le type de transport industriel. Donc on transporte du matériel et toutes les quêtes. Là, nous allons commencer une nouvelle partie. Si l'on veut, on peut prendre le côté Europe, côté Américain. Puis USA, prendre les deux. Moi, je vais prendre USA vu que je suis au Canada, quand même. Taille du monde, on va prendre intermédiaire. Type de terrain. Ça me tente de prendre. Non, je reste le même. L'année. Ben, malgré que je vais le prendre en l'océan 2000. C'est le plus haut que vous pouvez prendre. Il fallait en 1850 jusqu'en 2000. C'est différentes stratégies de départ. Disons, ici, le départ, prenez pas routière, mais pas du tout. Parce que routière, c'est des calèches. Hein? Quatre emplacements. Puis ça, là, mon Dieu, c'est pas évident. Et on y va. Sachez que pour moi, les musiques ont été désactivées. Parce que ça... J'aime pas les musiques du jeu. Mais vraiment pas. Ça fait un petit bout que je vois ça. Hein? On s'entend. Il y a aussi Transport Fever 2. Transport Fever 2, très similaire, mais bien différent aussi. C'est fou. Comment c'est différent? J'ai un peu gossé un avec, mais c'est pas la même affaire nécessairement. C'est vraiment différent. Comme que j'ai passé un autre en Europe. Oui, j'en ai parti un autre parti en Europe. Je devrais abandonner. C'est à moins 6 millions. Ça va descendre encore. Je commence à avoir une certaine rentabilité, mais oh mon Dieu, que c'est pas évident. Surtout, je vais vous expliquer aussi là-dessus. Surtout, qu'est-ce que j'ai fait là, c'est mon Dieu. La première affaire quand on va commencer, c'est de mettre à pause. C'est la première chose à faire. Tu peux construire un infini en étant en pause. Moi, je désactive ceci, parce que c'est embêtant. Quand on est sa carte, voilà. Bon, voyons. Première chose, moi, je me mets. On pourrait dire mon siège social à quelque part. Ontario. Ça peut être du DVD aléatoire, je peux vous dire. Je vais peigner Vancouver à un moment donné. Mais éventuellement, tous les noms vont changer. Bon, vu que j'habite à Montréal, une ça aurait été Montréal. Non, ça aurait peut-être celle-là. On commence avec 20 millions d'emprunts. Puis faut que tu débrouilles avec ça. Bon, commençons. Voici la ville. Donc, je vais commencer. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par faire. Mettre une gare. Tout simplement. Une affaire très importante. On voit ici. Très important. Tu peux voir qu'est-ce qui est
résidentiel, commercial et industriel. C'est pas sérieux. Je m'en allais vraiment faire ça, moi. Eh ouais. Moi, bon, je vois. Okay. Je désactive ça. C'est même, ça dit rien. Bon, je vais mettre la gare là. Ça va être pas pire. Industriel, mon dieu. Bon, je vais le faire pour ouvrir le petit son. Je vais peut-être le laisser là quand même. D'accord, mais mon dieu. Ça va être quand même un certain défi. On va vous expliquer pourquoi après. Bon, à Québec, ici, une belle place, encore côté plus industriel. C'est sûr que ça va en prendre un peu ça. Ou à moins que je le mette ce côté-là. Là, je prends. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de résidentiel là. À moins que je vais là, puis là, je prends un peu de résidentiel. Ici, je vais être capable de faire seulement résidentiel. Pourquoi je vérifie ça? Parce que. C'est moi que moi, justement. Je vais vous le montrer, au pire. C'est, j'ai fait une partie en Europe pour. En le côté Europe. Puis une côté USA. Mais attention! J'ai commencé à 1850 USA. C'est une autre. Mais. Ce que j'ai remarqué. Chaque palier de niveau. Tu dois commencer d'une façon différente. Tu ne commences jamais routière en 1850. Au grand jamais. Ou peut-être garder ça en interne. En exemple, tu veux faire un réseau interne dans la ville. Ok! Ça, pas de problème. Va pas plus loin. Parce que ça vaut pas la peine. Là, je suis en 2000. En 1850, non. Et ferroviaire. Mais là, je vais anticiper. Et moi, je vais me mettre là finalement. Ou bien, ah, peut-être 17. Ok. La disposition des villes. 1, 2, c'est bon. 3, 4. 6, une ligne là, 2 lignes, lui tout seul, 3, 4 tout seul, 5, 6 lignes, parfait, qui va d'un bord comme de l'autre, c'est fait, là qu'est-ce que je veux faire? J'aime autant mieux ça, pour être honnête. Mais ça, je le crush. J'ai un bon angle. Ça saute pas pire. Mais j'ai pas le choix de détruire mon principe là, c'est le moins possible. Puis qui couvre quand même pas mal le résidentiel. Mais comme que j'en peux voir, il va falloir que je fasse aussi interne. Là je c'est pas pire, on est en 2000, on peut prendre des autobus, pas de problème. Là, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux faire favoriser la croissance. Alors, je vais faire une boucle. Ça, c'est à moi. Ce terrain-là est à moi. Là, ici, cet arrêt d'autobus, là, ça fait c'est ça. Je vais enlever ça. Ça, il couvre ça. Cette partie, c'est une petite partie quand même. On peut se le dire. Là, ici, on ne sait pas encore. Oh. Au pire, on rajoutera là, au fil du temps. C'est fou comment que ça se fait.
On en met un et 17 aussi. Qui couvre pas mal tout ça. C'est tout pour l'instant. Rendu là, il faut mettre ceci. Faire ceci. Pas le choix. Si vous voulez, vous pouvez payer sur toutes, faire toutes les rues, mais ce n'est pas obligé, juste faire ce qu'il y a de besoin, comme ça, il va pas nulle part où que tu veux pas qu'il aille. Comme si tu veux pas qu'il fasse des détours, il est obligé de faire ce chemin-là. Ce qui est formidable. La fois, qu'est-ce que ça va faire? Moi, je veux partir le tramway pour faire tout le tour. Ça va pouvoir être ma première. Mon premier investissement en attendant de construire la ligne de train. Ah, j'avais dit 6, hein? Ligne 1 2 3 4 oh. Un tout seul. Tout seul. 3 4 ouais, c'est ça, 6. Là par contre, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer à 6 voies. Grande vitesse, oui. Cathéter, oui. Ça, non. Dans le futur, bah, je pourrais le faire pour ah, tu vois ici, tu peux prolonger ici, comme ça en même temps ça pourra forcer la ville à exploiter aussi plus. Puis on va anticiper. Anticiper, oui, mais moi, oups, j'ai pas remarqué ce détail. Oups. Ça, c'est sûr qu'il faut être enlevé. Merci. Voilà, rien qui dit que je peux pas se faire suivre. Mais je peux pas, je suis pas très flexible à ce niveau. Vous voyez, je suis collé. Moi, j'anticipe, comme on présente, j'anticipe le développement. La première ligne est faite. Là, même, je peux prendre un train. Là, justement, en parlant de train, il faut anticiper. Faut mettre la gare, l'entrepôt. Bon, je vais mettre ceci. Là, j'ai une ligne déjà prête. J'ai tout fait ça, semble que ça, mais c'est pas grave. C'est normal que je le mette aussi loin parce que au moins je vais avoir de la maniabilité. Ici, bien sûr, on a ça. Très important. Si vous voulez mettre une direction. Oh, t'es sûr que je l'ai vraiment mis là, moi? Une erreur. Que je vais. Je suis pas pensé à ça. Qui va être correct. Là, ça bâtit, là. Ça reconstruit. Pour plus gros, en règle générale. C'est normal pour l'instant qu'il n'y ait pas un faux. Mais plus tard, il y aura plus de monde. Ça, c'est sûr. Puis la gestion,
plus élevé, puis on augmente le nombre de tramways pour avoir une bonne circulation fluide. Là, alors je vous ai parlé qu'en 1850 il faut pas commencer routier, jamais, probablement que vous êtes fou, ou à peine, juste interne, comme que je suis en train de faire, ça ok, mais pas plus que ça. On va aller dans le train. La cochère, vous voyez, 11 000, oh, 5 000, depuis. Quand vous voyez depuis, ça veut dire qu'ils l'enlèveront pas. Ça, c'est depuis 1955. Ça, c'est... Ils vont arrêter d'être produits en 2007. Sauf qu'il n'y a pas de 300 km/h là. 36 millions de dollars. T'es-tu malade pour commencer? Depuis 2000, ça veut dire qu'on vient de pouvoir avoir ces trains-là. On vient d'avoir ces trains. Là, on a la possibilité d'acheter ce train et ne s'en enlèveront pas. Ce qui est bien. Ceci, on va acheter ça. Même si c'est 105 km/h. Ça, c'est moins cher, mais tu vas s'enlever bientôt. Inutile. Même si ça, c'est diesel, là, je pense. Ça sera pas mal ça. Pour l'instant, du moins. Ça commence! Là, le train, c'est normal, qui est pas un chat pour l'instant, ça fait juste commencer. Dans le fond, faut qu'il aille à l'autre avant de commencer à avoir du monde. Bah, lui, faut avoir été à une place avant de commencer. Même si tu mets, exemple, il vient de grandir, la ville. Il fou. Dans le fond, exemple, si tu veux activer ça, même si tu as la garde, il va rester des décennies, centaines d'années, 200 ans. Si tu le. Il n'y a pas rien, il n'y aura personne. Au moins, ça donne une raison. Moi, je vais vous dire quelque chose que je fais. Là, pour l'instant, ça vaut pas très la peine. Surtout quand tu as une ligne. Mais quand tu as. Bien des lignes, qu'est-ce que tu fais? Moi je fais ça et je laisse comme ça. Comme ça, je peux voir ligne 1, toutes les lignes, toutes les possibilités. Là pour l'instant, c'est de même, mais ça se peut que je modifie les lignes en mode nez. Donc, soit la ligne 1, ligne 2, c'est pour ça que j'anticipe le développement. Avec ça, je prévois de faire plus qu'une ligne. Moi, comme un fou, moi, je reste là. C'est tout. Plus contrôle, comme ça. Ça, c'est moi. Je suis bien le même. Là, le bonhomme, ça veut. Un bonhomme veut dire une dizaine. C'est la première dizaine de 1 à 9. Après ça, 17, 19, et ainsi de suite. Chaque bonhomme vaut une dizaine de plus. Mais je comprends pas pourquoi. Et là, c'est correct, 105 km/h. Une chose que je comprends pas, c'est que dans mon autre partie, ce que je vais peut-être aussi vous montrer, la limite, je peux aller jusqu'à 177 km/h, mais il m'arrête à 80, il me bloque à 80. Ça, je l'ai pas compris. Un bug peut-être, je ne sais pas, mais ça m'énerve. Les autres, vous voyez, il y en a déjà 15, mon Dieu, qu'il y en a. Là, ça commence, vu que c'est résidentiel, c'est plus facile. Bien évidemment. Ah, ok, ça augmente vite d'un coup. Par contre, j'aimerais savoir en commentaire si vous voulez avoir une série ou sinon je vais voir dans les vues, peu importe. Si vous voulez avoir une série là-dessus, je suis prêt à faire ceci. Mais attention, 19, combien ça va rapporter vu qu'il est arrivé? Déjà au moins 1 million.
5000! Tombé pas bon ça. Tombé pourri. 4000. C'est vraiment la différence pour l'instant, ça va être ça qui va faire la différence. Pour l'instant, ça vaut pas la peine d'augmenter le rythme, mais bien évidemment, il va falloir augmenter le rythme. Bon, je l'ai appelé le CMMCL. C pour champion, MMCL. Vous connaissez la signification. Moi, je vais vous laisser pour l'instant et on revient avec la deuxième partie européenne. Et voilà. Bon, moi, j'appelle tout Montréal, moi. Parce que ça me tente. Montréal, Paris, par contre. Québec. Bah, je serai Québec. Paris, pourquoi? Parce qu'on est en Europe. C'est logique. Paris, c'est en Europe, c'est en France. Ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Pour favoriser la croissance. Ça fonctionne, mais je suis à moins 6 millions. Dans le fond, ça c'est pas pire. Vous verrez que ça, y a rien et rien. Ah, de peu le résidentiel. Mais comme vous pouvez voir, zéro résidentiel, zéro. Juste industriel commercial. Il aurait fallu que je me mette ici. Mais c'est pas ben ben favorable. Quand on dit ici, c'est beaucoup plus favorable. C'est sûr que quand je vais être hors d'être, c'est tout ce qui se trouve là, c'est ah oui, je démolis. Je vais faire un chemin de fer ici. Comme un peu ici là. L'affaire, c'est que je me dis, on se limite pas à ça. C'est ah ouais, qu'on se trouve partout autour. Je m'en fous. Mais c'est ça. Ça, c'est ah ouais, ça va être. Ben, ça va être là, mais il faut que je remonte ça. Est-ce que j'ai comme véhicule 2 trains, 4 trains moins. Un train par ligne, dont j'ai 2 lignes, puis 2 tramways par ligne, par ville. Qui peut. Surtout dans ce. C'est pas. C'est suffisant, mais en même temps, si je veux avoir un bon roulement, il me faudra au minimum 4 tramways par ville. Parce que. On s'entend que. 2. C'est. Le monde vont aller là. Le monde vont aller là. Surtout là, par contre. C'est juste ça. Pour aller là. Un peu là. À moins que plus tard, qu'il y ait du résidentiel ici. Peut-être. On sait jamais. Ça va aider. Mais c'est peu. C'est très peu. Faut que le tramway amène là. Là, ça va là. Puis quand ça revient, même affaire. Même affaire Québec. Québec, c'est pas plus vieux. Ok, je touche à du résidentiel un peu. Ok, je touche un tout petit peu à du résidentiel, mais c'est peu. C'est totalement du commercial puis de l'industriel. Mais par contre, en sachant ça, j'ai anticipé le coup. Là, je suis allé avec du 100% dans du résidentiel uniquement. Là, j'ai été dans le résidentiel. Là, il y a beaucoup plus de monde. Là, ça peut rentrer encore plus vite. Allons, c'est pas mal tout qu'est-ce qu'il y a. Allons au suivant. Puis, ça va être après ça, je vais vous laisser. Voici, cela fonctionne bien. Celui-là, j'ai parti en 1850. Je suis rendu à 300 millions. Je dépense plus au sud depuis quelques temps. Je me fais combien à. Je suis capable de me faire
25 millions à 1 an. Eh mon Dieu, c'est que je suis loin de, du début. 25 millions par année. C'est fou. J'ai 3 lignes. On va là. La ligne 1 qui dessert ici. Là, la ville, elle s'avait décidé de... Non. Elle dessert ici. J'ai... Ça, c'est moi-même qui le fait. Mais l'arrêt, elle sert absolument à rien pour l'instant. Éventuellement, quand le développement va augmenter. Chose qui est en train de se faire. Ça va se rendre 7. Il a une 6. Je veux plus autant que ça. Je peux me faire ça. Ça donne ceci. Mais c'est quand même assez productif. Ça, je peux vous le garantir. J'ai commencé à 1850. J'ai commencé routier ou ça à faire. C'est bien plus rentable. Peu importe la ligne, on va là. Et voilà. Ça, c'est ma ligne. Où qu'il y a. C'est ça. Qui va à 177 km/h. J'ai rajouté, bon, je sais pas du même, parce que c'est un ancien wagon qui n'est plus disponible depuis 1940. Celle-là, c'est jusqu'en 1980, je suis correct. Pour l'instant, du moins. Et je suis encore pas mal locomotive. À vapeur. La preuve, ça doit être, c'est une locomotive à vapeur. Le prix commence à augmenter. La vitesse, c'est ça. Mais, voici ce que ça donne. On va aller à une ligne 11. Et voilà. 80 km/h. Je suis là. Je m'enlève. Je suis. Ok, presque arrivé là. Ok, presque Montréal. Rajou, qu'est-ce que je fais? Ligne 11. Ok, soit en direction d'Oka ou de Montréal. Montréal, oh, lui, d'aplomb. Où est-ce qu'il est? Tout au milieu, tout au centre. Vous voyez, il est là. Il est à pleine vitesse. 80 km/h. C'est pas supposé. À 80 km/h. Où je... 80 km/h. C'est quoi ça? Capacité de quoi? Je sais pas si t'as un bug, mais le bug m'énerve. 177 km/h. Non, mais... Eux autres, c'est correct parce que leur vitesse, eux autres, c'est 80 km/h maximum. Leur vitesse est 80 km/h. Mais c'est pas supposé ça. C'est supposé être plus que 80 km/h. C'est supposé être 177 km/h. À cause de ça, tout est là. Pis ça, au cas 80 pour aller à Montréal, mais je fournis pas assez. Vous voyez, la vitesse est pas vite, vite là. 80 km/h, là. Ça, c'est énervant. Il faut autant de train moins que ça. Si vous demandez combien il y a de train moins, il y en a juste 6 train moins. Puis. Il fournit, mais des fois il fournit pas. Des fois il est beaucoup moins haut. Des fois il est tout sur ça. Ça continue. Ça va être. T'as augmenté le rythme. Mais c'est ça. Ah, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure parce que. Moi je compte. J'aimerais ça faire une série là-dessus. En commençant en 1850 aux États-Unis.
Ouais, je serais prêt à faire ceci sans problème. Mais pour ça, ça dépend si vous vous êtes intéressé. Il va y avoir un autre essai de jeu sur Transport Fever 2 un moment donné, mais pas tout de suite. Voyez la vitesse. Ah, c'est fou. Même vitesse. Puis lui, il est supposé être beaucoup plus rapide. C'est supposé considérer dans les hautes vitesses. Quasiment considéré comme très haute vitesse. Mais c'est ça pour l'instant. Ah, pour ça! N'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'SCP. Toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur. Peu importe la vidéo. Montréal 1100 habitants. Imagine qu'elle soit à quelques millions. Oh, ça va être pas payé. Puis moi, je commence là, puis. Je relis tout. Ah, pour ça, merci à tous.